sais que tu vas le payer cher, ça, frérot. Frère, c'est quoi la probabilité? Frère, elle était, en vrai, elle était à 100 mètres, j'ai même pas vu. Je disais ça parce que, comme ça, tu vois. Parce qu'elle a les jambes à l'air, c'est pour ça, frérot. Non, mais frère, attends, Non, je te jure, j'ai mal vu, je savais pas. ça va, elle court. Je savais pas, frère. Toto, ne cours Non, pas. frère, ça s'en fait. Je savais pas. Je ne savais pas. Toto. Il y a 6 milliards de meufs sur Terre? Non, mais pas 6 milliards, on est 7 milliards, connard. Ouais, il y a 3 milliards de meufs sur Terre. Et la meuf à qui je dis ça, c'est ta sœur! T'avais fait ce concours de la probabilité ou pas? Toto, je vais te niquer, c'est pas grave. Ah, sois gentil, s'il te plaît. Après, si tu veux. Attends, arrête, non. Arrête. Laisse-moi monter. Ouvre la porte. Pour la peine, tu vas faire à manger. Vas-y, pas de problème. Ouvre. Dépêche-toi. Mais frère, tu te rends compte de la probabilité? Ça me choque. Dépêche-toi, ta gueule. Les gars, je vous raconte ça discrètement parce que frère, je crois qu'il est vraiment vénère. J'ai fait la gaffe du siècle, frère. La gaffe du siècle. Mais ça n'arrive à personne. Non, non, non. Ça n'arrive à personne. On venait de s'entraîner, tu vois. Quand on revient de la salle, on marche, on arrive près de chez lui. Et mec, je fais un de mes personnages très beauf qui, moi, me fait un peu rire. On arrive devant chez lui. Il y a une meuf qui arrive avec une valise. Et je fais. Mais genre, elle est à 100 mètres, genre 75 mètres, 100 mètres, tu vois. Et en plus, il fait nuit, donc je ne voyais pas bien. Et je fais, hé, hey, salut mademoiselle, vous cherchez l'adresse de Alex. Et frère, il me dit, poto, c'est ma sœur. Je fais, ouais, ta gueule. Il va la voir, il lui fait la bise. Je fais, oh putain. Et frère, il parle à sa sœur, et 2 secondes, moi je dis bonjour à sa sœur, tu vois. C'est la première fois que je la rencontre. Il lui dit ce que je viens de dire devant elle, mec. Je fais, oh là là, je suis tellement gêné, mec. Oh là là. Mec, j'étais si gêné, mec. Enfin bref, voilà, la plus grosse gaffe de ma vie, clairement. Non. Petite flemme vite fait. Hein. Non. Bon. Allez, ils vont recoucher, moi. Allez, bonne nuit, Paul. Moi, je prends pas l'avion. Moi. Ok. Moi, je prends pas l'avion, frère. Salut. Pas l'avion, frère. Non, prends pas l'avion. Non. Est-ce que tu peux demander à l'avion qui passe nous prendre à 10h44, s'il te plaît? Ça m'arrangerait grandement. Mais à moi aussi. Y a pas tout le temps pour un bon gros petit brunch. Non, pote. Parfois, faut savoir faire avec les moyens du bord. Bah ouais, ouais. Pas arrivé dans la communauté. Bon, man first. Bonjour, monsieur. En fait, j'ai vu dans le miroir, j'ai un putain de bleu là, mec. Hein. T'as un bleu de ouf, t'as surtout un. Une tête de con, surtout. Ah, pas fou. Tu vas pas me le retirer, ça. Monsieur, on va à Milan. Vous êtes content pour nous ou pas? C'est bien, Milan. Ah, c'est bien, hein. Moi, je suis jamais allé encore. Ah, j'ai fait une erreur, je crois, la vérité. La cap de la mode. Exactement, on m'a dit qu'il y avait un outlet à la sortie de Milan où il y avait des moins 80% sur des marques comme Versace, Gucci, tout ça. Si vous voulez passer une petite commande, n'hésitez pas. Pas oui, trop mode italienne. Ouais, hein, ça, c'est pas forcément ma première attention en Italie, quoi. Plutôt goûter la bolognaise. Faites par la mama. La margarita. Ouais. On va mettre du décathlon. On va mettre du décathlon, ouais. J'espère qu'il y aura des promos sur les décathlon. C'est plutôt fou. Sur les chaussures quechua. Moi, là-bas, j'aime bien le tatouage. Donc, moi, je devais aller à une convention de tatouage. J'ai pris mes tickets l'autre jour avec mon ami. Sauf que quand hier je vais faire le checking sur mon ticket, imaginez quoi? J'ai pris les tickets pour le 23 décembre jusqu'au 25 décembre. Rien à voir avec ce week-end. Aucune envie de passer Noël à Milan tout seul, quoi. Donc en gros, là, en gros, le concept c'est que bah du coup je vais passer Noël à Milan tout seul. Que 23 décembre, 25 décembre, je me retrouve un peu dans une salade là. Non, c'est pas bon. Du coup, j'ai dû prendre de nouveaux tickets. Et là, les nouveaux tickets, je voulais partir vendredi jusqu'à dimanche soir, tranquille. Bah, c'est trop tranquille! Et j'étais obligé de prendre hier soir un ticket pour ce matin 7h et revenir lundi matin 11h. Ah, très bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et qu'est-ce que je me dis moi? Je me dis, je vais l'emmener lui. Mais j'ai fait une erreur sur ma vie. Je savais pas. Il va me casser la tête. Il a pris le pire colis là. Photo. Il a un débit de parole. Ce n'est que le début du calvaire. Ce n'est que le début du calvaire, mon grand. Il a un débit de parole inarrêtable. Le problème entre lui et moi, c'est qu'il a 20 ans, moi j'en ai 30. Ouais, est-ce que vous voulez ou pas? Moi je bois de la tisane. Bon, est-ce que je veux dire ou pas? Il va me casser les couilles. J'avoue, putain, la 10 ans d'écart, c'est fou ça. Ouais, c'est pas vrai. Mais. La question, c'est que j'ai l'impression que. Comme quoi, là, mon apanage, hein. Quelle complicité. Mon dos. Ah oui, merde. Non, je rigole, c'est pas là, mais. Ah, bon, je fais là. Quelle complicité. Arrête de me toucher aussi, frère. Oh, quelle complicité. Arrête, frère. Hein? Arrête. Je vais prendre mon avion là, déjà je me vois déjà avec l'accélération coco et aussi. Si jamais pas trop, vous me le dites, j'ai l'habitude de le taper.
Je sais comment il marche. Il y a un point précis. Il y a une tarte dans la tempe comme ça, il s'arrête tout de suite. Je vous avais dit que ça marche. J'ai fini depuis tout à l'heure, je vous ai même pas expliqué ce qu'on faisait et où on allait. Nous sommes à Milan, l'équipe, à Milan, voilà, tout à fait, la ville italienne. La culture italienne nous attend. Ce midi, je m'attends à manger une magnifique pizza. C'est pour ça que j'ai rien graillé encore, même si j'ai bien la dalle. Et on est à Milan parce qu'il y a une convention de tatouage. Et il va se faire finir son tatouage dans le dos. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Il va souffrir fort. Et je suis là pour l'accompagner, pour visiter un peu la ville au passage, quoi. Histoire de profiter de la vie un petit peu. Ça va être sympa. Ciao. Buongiorno. Ah, ils sont bons, ouais, ta gueule. Je l'ai acheté mon meilleur buongiorno, il voulait pas. Il voulait pas le poteau. Ça m'a pas intéressé, il a fait ouais. Allez, casse ta main. Ouais, vas-y, laisse-moi faire un post là. What's up, boy? Ciao, bella. Fais pas, arrête. Fais pas. Voilà. On peut pas te faire confiance, putain. Ne t'arrête pas. Mais t'es fou. Tu es fou, garçon. Elle a pilé, elle. Tu peux avancer? Non, je vais. Ah ouais, vas-y. Salut, Paul. Putain. Ah ouais, le gars, il se barre sans robe. On arrive là, c'est bon, on est arrivé, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah, je vais te niquer, Paul. Sur la vie de ma mère, je vais te niquer. On va cartonner, frérot. Et on va manger une voiture. Arrête, frérot. Arrête, je refuse. Aïe. Aïe. Arrête, on va tomber. Aïe. Frérot, je m'en fous, frérot. On va tomber, on va mourir, frère. Il a des abdos, le bonhomme. Hein. Il a des abdos, le garçon. I train myself. Ça fait pas physique. Hein. On est arrivé, frère. Vas-y. Nous avons. Bon, on est où là? C'est quoi cette fille encore? Je suis une galère, les gars. Non, je suis une galère, c'est pas pour faire genre, je suis une galère, non. Vraiment, je suis une. Parce que, frère, en fait, là, tu sais, je devais rester tout le week-end avec Alex pour sa convention de tatouage, là où il devait faire tatouer. Tu vois, je vais pas m'entraîner. Ça te fait des trucs sur un coup de tête, tu vois, tu réfléchis pas, et voilà, et au final, je regrette. Du coup, là, on est en fin d'après-midi. Là, je vais prendre un car pour retourner à Lyon. J'arrive à Lyon, genre à 1h du mat, et après, je prends un train à 5h du mat pour retourner à Paris. J'espère être à l'heure au sparring là demain matin. Comme ça je vais travailler ce week-end. Là sinon j'aurais perdu des sous, j'aurais perdu du temps. C'est fou, dès que je pars dans un autre pays, j'ai envie de rentrer chez moi. La vie de WAM, j'ai envie de rentrer chez moi, mec. J'aime trop mon pays. Donc là je suis en route pour aller à la gare et rentrer sur Paris. Voilà, juste pour passer une journée à Milan. Même pas. Mec, on est arrivé à 9h, je pars à 18h. Donc ça fait affaire à 9h. 9h que je suis à Milan et je repars direct. Le mec indécis, quoi. J'ai une chance, poteau. Le car qui va à Lyon, je pensais prendre un train à partir de Lyon pour aller à Paris. J'ai pas encore pris le billet de train. Du coup, je pensais prendre ce car là jusqu'à Lyon et après à Lyon prendre un train jusqu'à Paris parce que j'ai pas encore pris mon billet jusqu'à Paris. Et en fait, ce car là il va jusqu'à Paris. Donc, si j'arrive à rester dedans, il va m'emmener directement à Paris. On va voir ce qu'il en est. Voilà, frère, hein, 7h du mat. Je me suis sur la gueule. C'était le matin. Après 13h de car, j'ai à peine dormi. J'étais mal, mec. J'étais serré. Pff, j'ai envie de rentrer, de dormir et voilà, de me poser. Donc je vous donne des nouvelles quand on est plus tard.